Nouveau vlog, nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait super beau. Nous sommes toujours à Marrakech. D'ailleurs, de toute façon, on ne va pas bouger de Marrakech parce qu'on va passer les derniers jours ici à Marrakech. Et là, on est dans la piscine. Franchement, ça fait un bien fou. Pour celles qui ont vu mes dernières vidéos, on a pris un appartement dans un Airbnb. Et franchement, le cadre est idéal. Vraiment très familial. Là, la piscine, il n'y a pas énormément de monde. Là, moi, je suis ici dans l'ombre. Mes enfants, là, sont juste derrière moi en train de s'amuser. On voit le pied d'Inès et moi là je suis dans l'eau, on profite, on bronze, on s'amuse, on profite des derniers jours. La reprise de notre routine habituelle, donc le boulot, la maison, le ménage, les courses, l'organisation. Donc là on profite vraiment des derniers instants et pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de rentrer. Franchement, j'ai pas envie de rentrer. Je me sens tellement, tellement, tellement bien au Maroc. Ça fait tellement du bien en fait d'être ici. Après, comme je vous l'ai dit, c'est mon pays de cœur. C'est le pays où je suis née. D'ailleurs, pour celles qui se posaient la question, oui, oui, je suis bien née au Maroc. Moi, je suis née à Aoujda, mais je suis rentrée à l'âge de 6 mois. Donc, c'est comme si, en fait, j'étais née en France, mais quand même. Je suis née au Maroc. À 6 mois, je suis rentrée en France. Et dans mes papiers, il y a bien née à Aoujda. Donc, peut-être pour ça qu'en fait, j'ai vraiment un amour... Je sais pas comment le définir pour le Maroc, même si je sais que certaines d'entre vous ne le comprennent pas, ou d'autres disent que oui, mais bon, là tu dis ça parce que c'est les vacances, tu ne pourrais pas habiter au Maroc. Si, si, bien sûr, je pourrais habiter au Maroc. Après, il faut être honnête, pour venir vivre ici au Maroc, il faut avoir les moyens, il faut avoir un projet, il faut avoir un travail, il faut avoir un revenu. C'est pas que tu te dis je viens au Maroc et après tu avises. Non, non. J'ai eu un appel entre temps, donc j'étais obligée de couper. Je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée. Je crois qu'on parlait en fait de vivre ici au Maroc. Donc comme je vous disais, en fait, moi vivre ici au Maroc, je le dis, je le redis, c'est un rêve pour moi de vivre ici au Maroc. Mais après, il faut être lucide. On peut vivre ici au Maroc, mais voilà, il faut préparer son arrivée, il faut préparer son départ de France, son arrivée ici. Il ne faut pas se dire oui, je veux vivre au Maroc et n'avoir aucun projet. Parce qu'on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. Ça serait beau. Hein. L'eau, elle est là, mais pour avoir ça, il faut le payer. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis vraiment plein de réflexions par rapport à ce projet, mais sur du très long terme. Pourquoi sur du très long terme? Tout simplement parce que moi j'ai deux adolescents ici, un garçon qui fait sa rentrée au lycée, Inès qui fait sa rentrée en cinquième, et pour eux voilà, ils ont leurs attaches, ils ont leurs habitudes ici en France, et ils n'ont pas forcément envie en fait de venir ici changer complètement leurs habitudes. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis que voilà, un projet sur du long terme, Inch'Allah, pourquoi pas venir vivre au Maroc. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir ce projet en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, vous aimez juste le Maroc, ou je dis le Maroc parce que je suis marocaine, mais la Tunisie, l'Algérie, l'Espagne ou autre pays, parce que vous aimez votre pays juste pour les vacances, ou c'est vraiment un pays où vous souhaitez vous projeter dans le futur? Moi, parce que personnellement, je le dis, je le redis, et même si je sais que certaines d'entre vous ne le croient pas, c'est un projet que j'ai en tête. Mais voilà, c'est un projet qu'on doit travailler, c'est un projet qu'on doit réfléchir. Il faut aussi avoir un bien immobilier ici, parce que venir ici, au moins avoir son pied à terre à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que même là, on est en train de regarder. Je dis bien juste en train de regarder, en train de se renseigner. Et je vous donnerai toutes les informations, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser pour connaître en fait l'immobilier ici au Maroc. Alors, dans le passé, moi, je suis Oujdia, Oujdia, Oujda, 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 Oujda à fond. Moi, c'est Oujda à fond. Et je voulais absolument, en fait, investir à Oujda. Mais je me rends compte qu'au final, à Oujda, il n'y a pas d'intérêt pour moi d'investir, parce que j'ai mes parents qui ont une maison à Oujda. Donc, quand je vais à Oujda, bah, j'ai la maison de mes parents. Au pire des cas, j'ai ma grand-mère, j'ai vraiment toute ma famille. Tout le monde, en fait, a des biens immobiliers à Oujda. Du côté de chez mon mari, ma belle-mère a plusieurs maisons. Donc, on n'a aucun souci quand on va là-bas. On peut se loger très facilement. Et là, c'est vrai que, bah, moi, j'ai un coup de cœur pour Marrakech. J'ai vraiment un coup de cœur. Pourquoi? Par rapport à l'emplacement, par rapport au fait que déjà, ben, les billets d'avion aussi ne sont pas très chers. Pour venir à Marrakech, c'est très facile. Il y a énormément de choses à faire. Le cadre est magnifique. Il fait beau quasiment toute l'année. Et c'est pour ça qu'en fait, on y réfléchit de plus en plus pour investir ici à Marrakech. Et on va essayer de visiter. Là, j'ai pris rendez-vous pour visiter demain un appartement. Je vais vous embarquer avec moi. Je vais vous le filmer. Comme ça, je vous partagerai. Ça vous donnera un ordre d'idée. Et ça vous permettra aussi de voir l'immobilier qu'il y a ici. Donc là, par exemple, juste pour la résidence qui est ici, je me suis renseignée. J'y ai pensé. C'est une résidence, en fait, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, donc pour celles qui n'ont pas vu, je vous le remonte ici. En fait, cette résidence ici, elle est du côté de Agdal. Donc c'est vraiment une résidence sécurisée, super calme. Là, vous l'entendez, hein, je suis à la piscine, il n'y a que des familles, il y a des enfants qui sont en train de se baigner et tout, il n'y a pas énormément de bruit, il y a la sécurité à l'entrée. Donc on s'est renseigné. Donc là, les appartements ici, ceux-là qu'on a pris nous en location, je dirais à vue d'œil, je pense qu'il doit faire 70 mètres carrés à peu près, avec une belle terrasse de 10-15 mètres carrés.
Donc c'est 10-15 mètres carrés. Et là, cet appartement-là, il est à 160 000 euros. On a demandé à la personne qui nous l'a loué 160 000 euros. Mais j'ai envie de vous dire, 160 000 euros, je pense aussi que c'est là parce que voilà, c'est déjà construit et c'est à la revente. Mais si tu achètes sur plan, c'est beaucoup moins cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, là pour l'instant, j'ai regardé sur du moyen standing. Je pars toujours sur une base avec piscine. Moi, c'est important pour moi en fait qu'il y ait la piscine avec la chaleur, au moins tu profites et tout. Pourquoi aussi la piscine? Tout simplement parce que quand tu vis à Marrakech, tout est super cher. Tu vas à la piscine, c'est onéreux. Et voilà, quand tu vas déjà à 4, c'est un budget. Si on part sur en fait des appartements avec piscine, le moyen standing, il faut compter entre 7500 dirhams à 9500 dirhams du mètre carré. Ce qui correspond à peu près à 750 à 950 euros du mètre carré. Si tu pars sur du haut standing, ça va être au-dessus. Il faut compter à peu près du 1200 euros du mètre carré. Là, j'ai vu d'autres logements qui sont en construction et c'est en vente ici dans le même secteur à partir de 105 000 euros. Mais tout ça, voilà, je vous montrerai. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous les partagerai. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller profiter de l'eau. Je vais aller bronzer un petit peu. Les enfants ont nagé. Moi, je vais renager et on va faire bronzette. Parce que là, depuis que je suis venue ici au Maroc, il n'a pas fait ces chaleurs-là. J'étais à Azmour, il faisait pas très très chaud. Et là, en plus, j'ai une crampe à la main. Donc, je vais aller dans l'eau et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est bon. On a fini notre petit après-midi piscine. Ça nous a fait énormément de bien. Là, on va rentrer, on va se doucher, on va se reposer. Et ce soir, je vais retrouver mes cousines. Je suis trop, trop contente. En fait, c'est Ouja qui vient à moi, tout simplement. J'ai ma cousine qui habite à Marrakech, qui travaille ici à Marrakech. Donc, de base, j'avais prévu de la voir. Et c'était pas prévu du tout. Mais j'ai mon autre cousine, en fait, qui vit aux Pays-Bas, qui est venue cette semaine à Marrakech. De base, elle devait pas venir à Marrakech. Elle devait partir en Grèce. Et finalement, elle a changé de destination. Et elle est venue à Marrakech. Donc on est là en même temps. Donc là je vais rentrer, je vais me préparer, je vais me changer et on va se faire un bon petit resto. Là on est encore en train d'hésiter entre, je sais plus, c'est Dar Soukar et l'autre c'est Jad Mahal, je crois que ça doit être ça. Je vous embarque avec moi de toute façon comme d'habitude et vous allez voir dans quel resto on va aller. Mais je pense qu'on va plus opter pour Jad Mahal parce que voilà, pour Dar Soukar c'était pas mal, mais j'ai regardé, il y a pas mal d'avis négatifs. Donc on va tester l'autre restaurant. Donc là ce soir ce sera vraiment soirée entre filles, sans mari et sans enfants. Je sais pas si on les voit. Ils sont. Il y a mon mari et Faisal qui nous surveille avec Inès, genre de là-haut de la fenêtre. Ils sont là-haut. Là il y a Faisal qui est là et mon mari qui est dans la cuisine juste ici. Regardez. Il lui a jeté les clés, hein. Vous faites quoi, hein? Vous faites quoi, hein? T'es posé tranquille. Tu veux que je fasse comme une? Ils sont bien, là. En fait, là, en plus, il y a la clim. J'ai deux qui se battent. Attention, tu lui coinces les doigts. Oups. Bon, ça y est, c'est bon. Je suis prête, je vais aller retrouver mes cousines. J'ai fait trop longtemps en plus que je les ai pas vues, donc on va passer une superbe soirée, Inch'Allah. Donc là, on va retrouver mes cousines. Direction le restaurant.
Thank you.
Yeah.
Bisous.